Et salut à tous et bienvenue dans Mortal Kombat! Ouais, c'était pourri ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, on s'en fout, allez, on y va dedans. One player, on va pas faire le story, on va faire un single fight. Je vais juste vous montrer ce que ça donne ce petit jeu. Alors, il a l'air monstrueux, putain, scorpion, il est terrible. Kitana. Putain, les personnages, ils sont superbes. Jax, putain, pas mal. Ouais, là-haut. Shinnok, je me rappelle plus. Kane, terrible Kane. Iron Black. Liu Kang, oh, il est bien vieilli. Tiens, on va prendre Liu Kang. Contre Sub-Zero. Peu importe. Bon, j'ai fait quelques combats, je suis une grosse brêle. Je voulais prendre comme ça. Donc ce jeu est sorti hier et il est juste monstrueux, graphiquement très beau. Voilà, les fatalities sont belles. Enfin, j'ai pas réussi à en faire encore, mais bon. Mais franchement, ce jeu est vaut le coup. I will show you mercy. Round 1. Fight. Oh, j'ai de la chance. Par contre, c'est plus les mêmes bases de coups que les anciens. J'essaye depuis tout à l'heure à faire. Non, j'arrive plus. Ah! Salopard! Notez que pour moi Sub-Zero, depuis le début des Mortal Kombat, comme j'ai dit dans ma version rétro, Sub-Zero est mon personnage préféré de tous les Mortal Kombat. Je trouve qu'avec Scorpion, c'est les personnages les plus charismatiques de Mortal Kombat. Malgré que ce soit des ninjas basiques, ninja, mais ils ont quelque chose de spécial. Putain, ouais, je fais toujours les mêmes coups depuis tout à l'heure, sérieux. J'essaye de faire les anciennes techniques, je vais regarder vite fait. Fireball, tac tac, ok, c'est pas du tout pareil. Dragon Kick, ok. Dragon Run, tac tac, ok. Ok, Dragon Pie, acéré. Ok, on va déjà essayer ça. Ah oui! Aïe! Ah oui! Aïe! Ouais. Ah, j'ai enfin réussi à le parer. Aïe. Ah. Je connais pas de fatality. Ouais, il se ressemble à la Liu Kang. Oui. Là, on va faire un petit hôte avec Scorpion, on va voir ce que ça donne. Ah, select new chapter. Ah, y'a Reptile aussi. Oui. Putain, il est propre. Ah, je préférais quand même un ninja. Ça, c'est qui ça? Ah, je sais pas qui c'est. Raiden. Goro. Donc, j'ai précommandé l'édition limitée. Donc, on a le petit Goro. Je vais regarder ce que c'est. C'est quoi? Air Fire. Je vais prendre des positions. On va faire contre. Personnage que Takeda. 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 Importe. Allez, au hasard. Encore le même, bon, tant pis. Donc, les modes histoire. Il y a un mode story, il est juste terrible. Ça change de tous les autres Mortal Kombat. Pour une fois, il y a une histoire plutôt plus que pareil. Round 1. Fight. Aïe. Oh bah je suis pris carrément.
faire mon plus foncé. Terrible le petit Ageda là, pas mal. On dirait Raiden de Metal Gear Solid. Oh, terrible. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de Mortal Kombat. Le dernier que j'ai fait c'était Mortal Kombat édition complète. C'est plutôt bien. Mais alors là celui-là, mais putain, graphiquement c'est une jurie quoi. Que je pense récemment j'ai fait des vidéos sur Dead or Alive, mais là c'est monstrueux. Je suis en train de me faire défoncer, je fais n'importe quoi. Ah ouais, ok. Savoir que faire que ça. Ah, comment je fais? Je vais faire, je vais essayer de faire des trucs, j'y arrive pas. Ouais, fait que de la merde, mais j'ai réussi à la gagner. On va voir, c'est cool. Téléport, spire. Avant, arrière, croix. Ok. Come on here. Allez! Par contre, ce qui est énorme avec Scorpion, c'est qu'ils lui ont gardé sa petite voix d'origine du début. Elle était juste énorme. Fais-moi une fatality. Oui, bah voilà, au moins une fatality pour vous montrer ça. Il lui a pris sa cage thoracique. N'importe quoi. Ah, voici ma petite vidéo de Mortal Kombat. C'était juste pour faire un petit opus. J'en ferai d'autres dimanche prochain si j'ai le temps. Ouais, dimanche prochain. Je vais faire quelques petites vidéos en plus. Je vais en faire plus ce dimanche maintenant. J'ai plus trop le temps d'en faire la semaine à cause du travail, malheureusement. Comme tout le monde, hein. Donc voici le petit petit gameplay tout simple de Mortal Kombat 10 ou X pour certains. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, il y a un vote actuellement. Je suis en train de mettre toutes les réponses. La réponse c'est de Dead or Alive, l'élection de Miss Sexy 2015. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, allez voter et je ferai un récapitulatif de la gagnante. Allez, salut, bonne journée.